Dis, Hermione, oui. Tu jouis? Oui. Merci. Oui. On t'a dit, toi? Bah oui, on m'a dit. Qui ça? Bah ma mère. Moi, ma mère, elle m'a jamais rien dit. Je me trouve assez normale, tu vois, par rapport à... Mais bon, disons, si je parle de moi, hein? Qu'est-ce que tu veux me dire, Rosalinde? Tu jouis, toi? Avec Oreste, oui, c'est à chaque fois. Avec Pyrrhus, c'est moi. À chaque fois? Avec Oreste, oui. Un troupeau interminable d'éléphants mâles te rend totalement extatique. Bouche bée, l'œil écarquillé dans lequel on peut lire une terreur sans fin. Ça te fait quelque chose, toi, sur le clitoris? Je sais pas, tout le monde en parle. Évidemment, oui, c'est même un des endroits les plus... C'est pas que je veux pas, mais ça me pique. Je comprends pas pourquoi ça me pique, c'est tout. Hein. C'est sûr, si tu frottes avec du papier de verre, ça va faire bizarre. Tu dois être crevée. Non, je recommence. Quoi? Je me masturbe, Rosalinde. T'as jamais eu d'orgasme? Ah bah non, tu vois. Et puis je m'en porte pas plus mal. Hein. Je vais pas passer ma vie à courir après un truc qui vient pas, sous prétexte que ça doit venir. Hein. Alors, combien de fois cette nuit? 82. Non, il y a des fois. Hein. Je préfère aller au cinéma, voir un film albanais en version originale. Quand même, tu t'es déjà fait caresser par un homme, non? Évidemment. Ah, tu vois, tu dis que je suis pas normale. Je dis que c'est normal que ça me fasse. Donc tu dis que c'est pas normal que ça me fasse pas. Et fais avec la bouche. Ben voyons! Comment tu veux que je mette mon clitoris dans ma bouche? Il y en a plein, des gens comme moi, qui viennent parler de leurs angoisses, de leur père incompétent, de leur mère, qui se vautre dans le malheur parce qu'il n'y a que ça qui la fait jouir. Et tu sais, les hommes, hein, fais bien attention, hein! Ne fais pas chier avec ta mère, hein! Il est beau? Ça, il est beau. Et il fait quoi dans la vie? Il est gynécologue. Oh. Tu t'habilles, faut voir comment, on dirait que tu vas faire un stage poney dans le Limousin. Avec Pyrrhus, c'est pas l'extase, mais avec Oreste... Ah non, attends. Avec Oreste, c'est pas l'extase. Oui, c'est ça. Je passe des jours à me morfondre. À attendre que Pyrrhus me regarde, me désire, m'enveloppe. Toutes les nuits, j'en rêve. Je me réveille en sursaut, je suis trempée. Je pleure. Je l'appelle, je me sens toute vide alors que je voudrais être remplie de lui. Je rêve que je suffoque. Qu'il s'approche de moi les mains tendues et qu'au moment de me toucher, il disparaît. Et je crie toute seule dans mon lit en me caressant. Le plaisir, c'est fini. J'ai pas d'amour. J'ai que des histoires merdiques avec des débiles mentaux. Ils me regardent avec leurs yeux de mouton. Et ils s'agitent sur moi comme des lapins. Et moi, je compte les mouches au plafond. J'ai l'impression d'habiter dans une ferme. Tu voudrais pas? Que quoi? Bah qu'on essaie. Quoi, d'aller mieux? Non, mais non. Enfin, oui, je... Hermione. Oui, Rosalind. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Faut que j'arrête de rêver. Je voudrais... toucher. Être touchée. Qu'on me regarde, qu'on me choisisse,